Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne vais pas vous parler d'un carton. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, eh bien, le téléviseur dont je vais vous parler, il est encore emballé. Et oui, c'est vrai que je fais assez rarement de l'unboxing sur la chaîne. Je l'avais fait au moment où j'avais reçu le mini PC de Millennium Equipment parce que j'étais comme un gosse. J'avais une machine à 4 500 € qui allait me permettre de jouer avec eh bien, des très, très grosses performances. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très curieux de découvrir ce dont je vais vous parler là. Il s'agit d'un téléviseur de la marque qui est juste indiquée là, c'est la marque Metz. Alors c'est un constructeur qui est, qui se revendique marque allemande, qu'on retrouve sur des canaux encore un petit peu restreints pour la France, mais qui a envie eh bien, de conquérir un petit peu le marché français aussi avec des produits LCD, avec des produits OLED. Et là, j'ai un 55 pouces OLED. Alors, je vais vous en parler, hein. Je vais vous faire les caractéristiques techniques, je vais vous parler du prix aussi du produit, vous allez voir que c'est assez intéressant. Et puis surtout, eh bien, on va contacter Christophe Chancenet, qui est en charge du développement de cette marque en France. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à découvrir, notamment du côté de l'OLED. Il va falloir patienter un petit peu parce que d'abord, je vais le déballer, je vais l'installer et on se retrouve juste après ça donc. Le jour où les constructeurs ont trouvé un truc qui permet de protéger les dalles autrement qu'avec ce plastique là, sur le nombre de dalles LCD OLED de toute taille confondue, ce que ça représente comme plastique, polystyrène, etc. et tous ces dérivés là, c'est dur. Hein. On a quand même 8 vis ici, hein, pour le, en plus des 3 vis pour tenir cette béquille. On en a 8 en dessous. On est très très loin du produit chinois avec deux pieds un peu en équerre, deux petites vis qui ballottent. Là, franchement, ouais, c'est du costaud. Et en plus, bon, bah, voilà, on aime ou on n'aime pas ici le revêtement de cette dalle. Il y a quand même ici les quatre trous pour un support VESA, pour l'accrocher au mur. C'est assez classique. Donc c'est pour l'instant plutôt pas mal. Il y a un petit cache à mettre ici, hop, qui est juste là. Voilà, hop. Petit cache ici pour finir ça proprement. Voilà, il y a un patin à cet endroit-là. Il y en a deux aussi ici. Donc du coup, on ne va pas venir abîmer son meuble avec des parties métalliques qui pourraient rayer tout ça. Hop, je vais mettre ça de côté. Bon, bien voilà, la configuration du téléviseur est terminée et comme je vous le disais, eh bien maintenant on va juste rejoindre, alors par appel vidéo, Christophe Chancenet qui va nous en dire un petit peu plus, hein, sur qui est Metz, etc. Puis bien évidemment, je vais vous en parler moi aussi, on va mettre quelques images, d'illustrations pour que vous puissiez découvrir le truc. Mais déjà, a priori c'est pas mal, il y a peut-être quelque chose, faut voir du côté des couleurs. Évidemment, je le testerai, on va faire des mesures, tout ça, bref, comme d'habitude. Bien voilà, on retrouve, hein, Christophe Chancenet avec nous, salut Christophe. Ravi. Salut David. Merci de m'accorder du temps. Merci aussi eh bien, de me faire découvrir cette nouvelle marque Metz. Hein. Je l'ai très rapidement déballé. J'ai introduit un petit peu le produit. Je n'ai pas donné de prix encore. On va garder un petit suspense encore autour de ce truc-là. Très bien. Alors, c'est vrai que du coup, Metz, tu m'en as parlé. Alors, très rapidement, nous, on se connaît. Tu as été chez Samsung, chez Sony, chez ailleurs. Et aujourd'hui, tu es chez Metz. Tu es le représentant de la marque. Tu es celui qui va permettre à cette marque de débarquer en France, en fait. C'est qui Metz, alors? Voilà, exactement. Eh bien, écoute, merci David, toujours un plaisir d'être avec toi. Donc Metz, c'est une marque qui est née en Allemagne il y a plus de 80 ans, en 1938, qui a lancé ses premiers écrans, ses premiers téléviseurs, hein, noir et blanc à l'époque, en 1957. Voilà, et c'est vrai que la marque n'était pas vendue jusqu'à présent en France. Hein. Elle est très présente, comme tu l'imagines, en Allemagne. Et aujourd'hui, je vais tenter à mon niveau de l'implanter effectivement en France, parce que les gens aiment bien
les clients aiment bien les produits allemands. Il y a à la fois les ingénieurs, donc il y a une cinquantaine d'ingénieurs qui travaillent pour mettre les produits évidemment au goût des Européens, qui travaillent sur le design, sur les softwares. Et puis il y a une usine qui fabrique des écrans, parce que tous les écrans de la marque Metz sont fabriqués soit en Allemagne, soit en Pologne, donc en Europe. Donc aujourd'hui, on est au début de l'histoire, donc on est quand même référencé dans 600 magasins en France. C'est des magasins de proximité, on va dire, ou des moyennes surfaces, notamment l'enseigne MDA qui a 200 magasins, et puis l'enseigne Pulsat qui en a 400. D'accord, ok, super. Et donc là, je pense qu'on va maintenant se parler des prix, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Tout à fait. Les tarifs 55 et 65, je te laisse l'annoncer ou je l'annonce ? Alors, je vais faire le 65 et puis je te laisse annoncer le plus attractif. Donc le 65, il est en dessous de la barre des 2000 euros. Oui, 1999 euros, c'est ça. C'est ça, et exactement. Et on est sur ce modèle-là à 1199 euros. Et en fait, on peut même le trouver donc chez MDA, dont on parlait tout à l'heure, oui, à 1135 euros. Alors, ce n'est pas une ristourne énorme, mais le prix est déjà assez, assez agressif d'entrée de jeu. Sur la partie caractéristiques techniques, vous allez les voir, elles vont s'afficher juste là dans la vidéo. Mais on est sur un écran ici, donc 55 pouces, une dalle Ultra HD, du Dolby Vision. On est sur des angles de vision qui sont les angles de vision qu'on connaît sur l'OLED, qui sont annoncés à 178 degrés. Donc voilà, c'est dalle OLED, c'est de l'auto-émissif, c'est plutôt cool. Je vois qu'elle a une barre de son. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là ? Qu'est-ce qu'on a comme système audio dans cette barre de son ? Alors ici, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, la barre de son est intégrée sous la dalle. Donc, on a un système de quatre haut-parleurs avec deux médiums et deux aigus de chaque côté. Donc, ça permet vraiment de pouvoir restituer une qualité de son sympathique parce que c'est toujours le parent pauvre, j'ai envie de dire, des écrans plats. Plus c'est fin, plus les caisses de résonance sont petites et moins le son est bon. Donc là, on a voulu justement travailler cet aspect sonore qui est essentiel aussi pour l'expérience du consommateur. Le coup de la dalle inclinée, c'est assez intéressant, je trouve, parce que vous savez, en plus, sur la chaîne, que j'ai quand même certains, non pas des a priori, mais en tout cas dans le cadre de mon utilisation au quotidien, des inquiétudes et des points sur les reflets de ces dalles OLED qui sont souvent brillantes. Oui. Donc, pour compenser ça, on a d'abord cette inclinaison qui aide pas mal à limiter les reflets de lumière. Et puis aussi, on est sur un produit à 1200 euros, mais qui aujourd'hui revendique une luminosité de 800 candela, donc c'est du 800 nits, donc on est sur une dalle qui est vraiment pas du tout déconnante, on n'est pas a priori sur une dalle au rabais, je vais le vérifier évidemment avec mes petits outils, mes mesures, etc. On va voir un petit peu comment se comporte tout ça. On a trois HDMI, pas de HDMI 2.1 pour l'instant, mais c'est des choses qui pourraient arriver sur 2021. Absolument, 2021, c'est beaucoup d'ambition sur les produits, donc une quinzaine de modèles, une nouvelle gamme d'OLED aussi qui va prendre la place du modèle actuel à partir de l'année prochaine. On aura du HDMI 2.1. On va aussi sans doute avoir nos premiers écrans, nos premières dalles OLED en fait, qui seront fabriquées par la marque. Donc ça, c'est un point important. La marque Metz s'appuie sur la puissance industrielle de Skyworth, qui est numéro 5 mondial de la télé en Chine et qui est numéro 3 mondial sur les OLED. Donc on a vraiment besoin effectivement d'avoir une capacité propre sur ces dalles parce qu'on veut pousser cette technologie. Et puis c'est vrai que ça va apporter des bénéfices, on va avoir une indépendance plus importante et donc pas être effectivement victime de la disponibilité. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a quelques OLED en vente, mais c'est vrai qu'on n'a pas des quantités phénoménales, donc ça part très bien. Et, et surtout, on va pouvoir sans doute baisser peut-être un peu plus le prix, donc le rendre plus accessible aux consommateurs, ce qui est aussi une très bonne nouvelle parce que voilà. Et sur l'aspect marché, avoir ce nouvel acteur qui veut démocratiser le truc est toujours un point aussi assez important. Bon, alors Christophe, du coup, pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est Metz, German Brand, mais ce sont des ingénieurs qui travaillent à Zirndorf et qui ensuite créent le cahier des charges avec cette expérience, ce choix, cette colorimétrie pour l'Europe. Je vous en parle régulièrement sur la chaîne, notamment sur des choix qui ont été faits par certains constructeurs qui veulent du shiny, du pétant. Je vais en reparler aussi, évidemment, une fois qu'on aura fait les mesures. Mais en tout cas, c'est un échange entre l'Allemagne et la Chine. On ne va pas se mentir, ces dalles, elles sont créées et faites là-bas. Et s'il y a une dalle, une usine de production, elle sera en Chine. Absolument, voilà. Okay. Par contre, effectivement, une fois les composants ensuite sont assemblés en Europe, c'est exactement ça. Ok, c'est du sourcing et puis ça revient
et c'est réassemblé, calibré, software, etc. chez nous. Voilà, bah merci beaucoup Christophe pour l'envoi du téléviseur, évidemment, parce que je crois que je suis presque le seul à l'avoir, non ? Ah, t'es le seul à l'avoir et c'est un plaisir, ça me fait très plaisir que ce soit toi et je vous remercie également. Magnifique, super. Bah, écoute, merci beaucoup à toi pour ce temps et puis vous, bah, vous restez connectés parce qu'on va entamer sur la suite et mes premières impressions sur ce téléviseur. Voilà pour cette présentation de ce téléviseur Metz. Alors voilà, c'est du made in Germany, mais en fait, le siège est en Allemagne, mais ça reste des produits chinois, 55 et 65 pouces. Le 55, 1199 €, c'est le modèle que j'ai là. Le 65 pouces, il est lui à 1999 €. Et voilà, donc maintenant, ce qui va se passer, eh bien, c'est que je vais continuer les tests. Je voulais vraiment vous le présenter à nouveau parce que c'est une découverte assez intéressante. On a quand même un produit avec un design assez réussi, une légère inclinaison de quelques degrés. On va être à 5, 6, peut-être 8 degrés au max, je dirais. Et donc, voilà, on a un produit assez intéressant, mais j'ai d'ores et déjà pu mettre le doigt sur, grosso modo, des petits pépins qui sont plus liés à du développement logiciel. En tout cas, j'appelle ça des pépins, mais c'est peut-être un manque, des choses à corriger. Par exemple, lorsqu'on presse la touche menu, j'ai ici les modes d'image qui apparaissent. Donc, j'ai un mode vif, un mode standard, pour lequel d'ailleurs visiblement il ne se passe pas grand chose, un mode utilisateur et un mode jeu. Et en fait, va falloir que je vois un petit peu dans la mesure ce qui se passe parce que j'ai pas beaucoup de changements. Il y a peut-être le mode jeu qui lui a l'air un tout petit peu plus lumineux, peut-être qu'il désactive certaines fonctionnalités. Et ensuite sur l'audio, j'ai un mode standard, musique, sport et film. Et on n'a pas de mode d'image qui soit un mode film. Donc vraiment, je suis impatient de faire les tests avec la sonde, le logiciel, etc. Parce que évidemment, lorsqu'on lance une série Netflix et qu'on est sur un contenu Dolby Vision, et le téléviseur bascule en mode Dolby Vision, un mode Dolby Vision sombre et un mode Dolby Vision lumineux. On n'a pas évidemment de capteur de luminosité ambiante a priori qui va permettre d'intégrer des technologies comme le Dolby Vision IQ. On est aussi sur des téléviseurs qui le font, qui sont aussi plus chers. Donc voilà, donc il y a déjà des petits trucs comme ça qui m'ont un petit peu interpellé. Et puis vraiment, je vais vous demander d'être un petit peu patient parce que je ne veux pas trop m'engager sur la partie qualité de l'image, parce que je veux temporiser certaines critiques, parce que j'ai envie de multiplier les essais, essayer avec un Fire TV Stick d'Amazon, essayer avec un boîtier Nvidia Shield pour voir à quel moment c'est pas l'électronique du téléviseur qui pose un souci dans l'interprétation des signaux. Est-ce que ça va se passer un peu mieux si on envoie tout ça depuis un boîtier externe affiché sur la dalle? Voilà, franchement là, je peux vous le dire, c'est un contenu YouTube et c'est quand même très très joli. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo plus de découverte, de présentation de ce téléviseur Metz OLED 55, 65 pouces, 1199 € et 1999 €. Je ne veux pas me prononcer de manière définitive sur la qualité de l'image, je veux y brancher d'autres sources évidemment, c'est une découverte. Et puis surtout, il y a encore beaucoup d'optimisations que moi j'attends sur la partie logicielle, pas tant sur cette partie-là qui sont les options d'Android TV, mais plutôt sur cette partie ici-là, qui est l'accès au menu, c'est trop pauvre encore. Voilà. Il manque des choses, il va manquer évidemment l'accès au moteur d'upscaling, il va manquer plein de réglages. Voilà, vous savez que moi je suis assez attaché à ces options qui permettent de personnaliser son image. On est sur l'absence aussi de... On n'a pas de mode cinéma, alors peut-être que c'est le mode standard, je verrai ça pendant les tests, mais on n'a pas de mode filmmaker non plus, et on n'a pas d'option vraiment d'ajustement de l'image. Donc j'ai partagé déjà ces quelques points avec Christophe, évidemment. Ce sont des points qui vont remonter à l'Allemagne. On verra aussi ce que les ingénieurs allemands nous réservent pour la collection 2021. Pour l'instant, ils étaient vraiment dans cette logique. On adresse un canal spécifique avec les magasins, MDA. On se positionne peut-être un petit peu timidement parce que c'est un gros rouleau compresseur et puis il faut l'accueil des magasins aussi qui va se dire est-ce que je référence ton produit alors qu'en face j'ai dans l'offre OLED, j'ai du LG C10, j'ai du Sony du A8 sur des trucs de furieux, j'ai du Panasonic, j'ai du Philips 935, etc. Donc voilà, donc il y a un choix aussi de la part des magasins et a priori pour l'instant, eh bien, l'accueil est plutôt bon et c'est pourquoi il va falloir aussi vous intéresser si jamais ce produit vous intéresse
vous rapprocher des magasins MDA, parce que il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Les magasins, a priori, n'auraient plus qu'en stock 400 à 500 pièces. Alors, ça fait quand même du volume, hein, mais il y a quand même pas mal de magasins. Et la bonne nouvelle, eh bien, sachez aussi que si vous n'avez pas de magasin à proximité de chez vous, la livraison, je trouve qu'elle est sur un tarif assez modeste, assez convenable, puisqu'on est aux alentours des 30 euros. Donc vous pouvez commander en ligne et ensuite le faire livrer chez vous pour une trentaine d'euros, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Et bah après, si vous voulez attendre que je vous fasse mon verdict et les résultats des tests, etc., ça c'est une autre option. On peut d'ici là eh bien s'en reparler dans les commentaires sur YouTube. Si jamais eh bien vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la petite procédure, on like, on partage, et puis on s'abonne si c'est pas déjà fait. Le petit commentaire me permettra ensuite, eh bien, si je n'ai pas la réponse, de solliciter Christophe et de revenir vers vous lors de la publication de la vidéo du test. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi, j'ajoute le lien dans la description, le canal Discord qui vous permet d'échanger entre vous et pour moi d'y répondre autant que possible. Mais vous l'aurez bien compris, il y a quand même pas mal de boulot. Voilà, j'espère donc que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous savez quoi faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !